Bienvenue dans ma tourterelle à la Découille. Avec un pigeon, ça va. Va pas arriver à l'entacher. Baston. Ça c'est de la bonne tourterelle. Elle dégonfle fort. Partie 2 du vrai songe. Ouais, la moitié des trucs que j'ai oublié. Compliqué, hein. Oui, c'est mieux qu'un Spielberg ou un Luc Besson. À un moment, il y a le contrôleur. C'est comme ça, ça me fait penser au truc de Jacques, le contrôleur du rêve. Pas les autres, pas tout le monde, hein. Non mais tu vois le truc, tu chauffes ou tu chauffes pas, moi il n'y a pas d'effets spéciaux, il y a des effets spatiaux pour elle. À un moment, ouais, c'est comme Histoire à Jacques, je suis en train de voir. Le contrôleur du rêve, tu sais, bientôt il y aura le contrôleur du rêve, quoi. Pas du Total Recall, mais pas loin. Ce mec il est là, hop, t'as une piscine, des gonzesses partout, champagne sur des bouées, ça flotte, il fait beau. D'un coup, toc, 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 le contrôleur du rêve. Ah monsieur, vous rêvez trop cher. Comment ça, je rêve trop cher? Si, si, une caravane à l'Ariane au camp des Gitans, ça ira bien. Enfin bref, je veux être l'acteur de mon film et je veux pas être un histrion, et le film, bah, ça s'appellera Télé Éternel. C'est pas la double vie de Clark Kent, c'est la double vie de Cattleman, le voyageur très prudent. Ça télépathe, ça téléporte. Mais il n'y avait pas que ça aussi. En fait, pour jouer l'époque actuelle ou l'époque un peu d'avant, il fallait prendre du Marcel Pagnol, tu vois. Jean Lapisse et Emmanuel Bénard dans Madon des Sources. C'est-à-dire, il faut un mec comme style Daniel Auteuil. Mais en fait, le mec, il est super cool, il est super gentil. Bah, suivant les époques, il transporte plein de gens, il fait tous les trucs gratuits, tu vois. C'est pas pour de l'argent. Comme t'es quand même. Il y avait au moins, hein. J'ai dû rêver d'au moins 10 chapitres en entier, peut-être plus, peut-être moins. Mieux que si j'y étais, il y avait l'odeur et tout, il y avait tout, je sais pas, il y avait tout. Pleine bénédiction, c'est la troisième semaine, bientôt fini, puisqu'on a remis. See me. Maintenant il fait une pub de merde pour un parfum à poufias avec la musique des Who. Vendredi c'est les Who. Bonjour. Who are you? Mm-mm, pom-pom.
tu vois, là, le rêve, il commence à s'effacer déjà. Il faudrait que je me filme au réveil. Mais je vais le réécrire, c'est pas grave. Je vais demander après un producteur ou n'importe quoi. Des réalisateurs qui ont du pognon. Moi, j'ai pas besoin de gros moyens. Faut juste me louer un peu le feu vert. Pouvoir tourner un peu au Café de Turin. Et à la fête de la musique, je voudrais faire le grand concert. Je connais Martel, hein, il a les camions, il a les tentes, il a tout. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Voilà.